Après la première délibération de l'examen du baccalauréat session de juillet 2020, les candidats déclarés admissibles et ayant fait le choix des épreuves facultatives planchent ce vendredi 14 août 2020. On a commencé les épreuves facultatives et nous sommes en train de composer maintenant en économie familiale et sociale, périculture et couture. On a démarré de 7 à 7 heures, donc de 7 heures à 10 heures et de 11 heures. Et de 11h à 14h, on va faire les langues nationales. Et le lundi, on va continuer avec la musique de 8h à 12h et le dessin de 15h à 18h. C'est une preuve, bon, soit vous pouvez venir ou ne pas venir, et c'est facultatif. Si vous venez, c'est pour avoir des bonus. Et si vous avez 13, donc on vous accorde un point. Si vous avez entre 14 et 16, 2 points. Et si vous avez entre 17 et 18, 19 là, ça vous fait 3 points qu'on ajoute sur la moyenne générale avant de rediviser. Donc ça hausse un peu et le total. Et là, ça permet aux candidats d'être admis au premier groupe. Occasion pour le superviseur du centre de correction et délibération du lycée Mathieu Bouquet de Parakou de prodiguer quelques conseils aux candidats. Je dis à ces candidats-là que l'examen continue, que ce n'est pas encore l'admission définitive. Donc, de subir ces épreuves avec rigueur, la même rigueur à la phase écrite qui les a permis d'être admissibles. Donc, de mettre toujours le sérieux pour qu'on aille jusqu'à la fin pour les déclarations d'admission définitives. Il faut préciser que ces épreuves facultatives prennent fin le lundi 17 août 2020 et vont faire place au déroulement des épreuves physiques et sportives.